Notre association depuis 2008, il s'est démarqué par son sens de réflexion poussée, son altruisme, son dynamisme, son humilité se caractérisait par Allez-y devant vous. Tout droit, oui. À l'égard de tous les autres membres, il était un membre discret qui savait apporter les conseils pour construire. Notre association fait ainsi un pilier important de son développement et de la programmation futuriste de ses actions. Nous retournons de lui qu'il était un homme qui avait le cœur sur la main, qui savait donner sa volonté, un homme de bien. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas être longs. Nous voulons seulement souhaiter à notre membre un doux repos, que la tête de nos ancêtres soit légère, pour qu'il repose véritablement en paix au royaume des cieux, où il n'y a ni douleur, ni pleurs. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je prends la parole au nom de l'association ACS, Association pour le développement solidaire et social, qui est une association à vocation internationale. Donc je vais ensuite laisser la parole aux représentations, aux représentants de l'association camerounaise. Mon vie, camerounaise pour la jeunesse, je me quitte à la fleur de l'âge. Sur le plan personnel, nos chemins se sont croisés à Obimikana. Je faisais partie de nos jeunes frères du quartier avec lesquels nous partageons la passion du football. J'ai encore le souvenir de mon départ du Cameroun au début des années 2000 pour rejoindre Nancy. Quand nous nous sommes retrouvés à l'aéroport de Yaoundé-Simaïen, tu étais avec les gars et moi j'accompagnais un ami. La suite, c'est en France, lors des confrontations sportives. En ta qualité de joueur de Nancy et Bordeaux, pour affronter Lyon ou Saint-Étienne. Cela nous permettait d'échanger avant et après les matchs, de merveilleux moments de partage et de fraternité. Tous ces moments ont contribué à nous rapprocher un peu plus sur le plan personnel et surtout les idées et les valeurs. L'ANSES, Association pour le développement solidaire et social, qui a vu le jour dans la région lyonnaise en 2008, est également celle qui est à l'origine du projet APGF de Fou, sous la houlette de Carlos Camille. C'est ainsi que tu as rejoint le projet, avec le soutien de Carlos, premier parrain de l'association. Ensemble, nous partageons l'idée fondamentale de l'éducation de la jeunesse par le sport, un des outils essentiels dans la construction de tout individu. Cette idée était également une valeur cardinale pour toi, car très ancrée dans tes différentes réflexions et particulièrement dans tous tes projets en gestation. Avec Carlos et Eric Souffin, chef d'entreprise établi sur la place lyonnaise, vous formiez le trio des parents de notre projet international dont les soutiens multiforms ont toujours été à la hauteur des sollicitations de la CES. Avec ACES, nous avons contribué activement à équiper et renforcer les établissements d'enseignement primaire, secondaire et universitaire en livre et en ordinateur. C'est une convention avec le ministère camerounais des enseignements secondaires qui a permis de renforcer en livre et en ordinateur plus de 50 établissements à travers le Cameroun. Le département de la mémoire en lycée et particulièrement le CETI de Fouréqué, le lycée bilingue de Balvin, le lycée technique, le lycée bilingue de Soulanton, le lycée technique de Balvin, le lycée bilingue de Louvain, ainsi que l'université de Tchon, qui a reçu une importance pour le livre pour sa communauté. Je ne saurais que venir le faire entendre une autre qualité de toi, sûrement inconnue. De beaucoup, c'est ta curiosité intellectuelle, ainsi qu'une soif insatiable de connaissances et d'apprendre de nouvelles choses, parfois très éloignées de ton environnement professionnel initial. Dans cette démarche, au crépuscule de ta carrière sportive, dans la période de ta dernière pige footballistique en Norvège, tu as postulé au Master Économie sociale et solidaire de l'Université Lumière Lyon 2. Tu as été admis à intégrer et depuis plusieurs années, tu es...
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Les étudiants dans ce prestigieux et les 6 diplômes de cette université. Les enseignants Saïd, Marie, Isabelle, que tu as accompagné, expriment leurs pensées à l'endroit de toute ta famille. Après, c'est un projet international qui mobilise des individus de nationalités différentes avec des profils très diversifiés. Ces individus qui sont adhérents et sympathisants sont disséminés à travers le monde. France, Suisse, Allemagne, Angleterre, Canada, États-Unis, Cameroun, Burkina Faso, Sénégal, Tchad, Bénin et j'en passe. Sont très émus et choqués par l'annonce de ta tragique et douloureuse disparition. Tu as toujours été particulièrement présent pour soutenir les actions de la CES. La dernière, en août 2023 au Cameroun, a été pour l'accompagnement de la délégation des Jeux éclaireuses et éclaireurs lyonnais et camerounais dans le cadre d'un projet avec l'Agence du Service Civil National de Participation au Développement. Une présence avec toi à Yaoundé et à Bafoussa qui a fortement marqué les Jeux et particulièrement les responsables de l'Agence ainsi que tous les partenaires médias et observateurs présents. Le directeur général de l'Agence de la famille, les jeunes éclaireurs et éclaireuses de la métropole de Lyon qui ont partagé quelques moments avec toi s'en souviennent et ont écrit un message à l'endroit de ta famille. Il sera lu dans la foulée par le représentant d'Astès Cameroun. Nous retenons de toi des qualités exceptionnelles telles. À la suite du président Astès France, je prends la parole pour délivrer le message du groupe des jeunes éclaireurs et éclaireuses de France à l'endroit de la famille de Landou. Le groupe Jean-Baptiste des éclaireurs et éclaireuses de France tient à vous apporter tout son soutien dans ce moment difficile. Il tient également à vous dire combien l'anglais a été apprécié et a su créer des liens avec les jeunes qui ont séjourné au Cameroun en août 2023. Voici les témoignages des jeunes qui ont été particulièrement touchés par l'anglais, par sa joie de vivre, qu'il savait si bien communiquer. La première fois que je rencontre Henri, c'était le soir où nous étions arrivés à Bérouan. Quand on nous avait dit que nous allions rencontrer un joueur de football, cela ne m'avait pas forcément touché parce que je n'aimais pas le football. Je me disais que c'était qu'une personne de passage dans ma vie et que nous n'avions pas forcément de point commun, je me suis complètement trompé. Quand je pense à l'Angli, la première chose qui me vient en tête est son sourire, sa joie, sa bonne humeur. Finalement, ce n'était qu'une personne de passage dans ma vie. C'est une rencontre que je n'oublierai jamais. Et j'espère que de là où il est, il garde ce sourire qui, j'en suis sûr, permet au soleil de briller autant. Lorsque je pense à l'Andy, je ne peux m'empêcher de me replonger au cœur de notre passage à Bétois, là où nos esprits ont d'abord été déroulés par les événements, sa présence nous a naturellement permis d'y voir plus clair. C'est donc avant tout son hospitalité qui m'a marqué la première fois que nous nous sommes rencontrés.
J'ai également beaucoup apprécié les riches moments de gens que nous avons pu partager avec lui, qui ont par ailleurs témoigné de sa profonde gentillesse et générosité avec Kokini. Je suis convaincu que ce valeureux lion indomptable continuera d'étinceler en chacun d'entre nous depuis là-haut. Paix à son âme et sincère soutien à tous ses proches. Merci à l'envie d'avoir si bien accueilli les jeunes et d'être les avoir si bien entourés. Nous tenons à transmettre à sa famille, à ses proches, à ses amis, toutes nos condoléances et les assurer de toute notre amitié. Pour le groupe EBR Jean-Baptiste, Zina, Tim, Manuel Léo, Edo Simon Maël, Sandy, Marcel, Kylian, Swan, Judith, Claude et Swan. À bientôt, lundi. Mais la délégation de Dantis Association, auquel André faisait partie. Normalement, on a notre chef de délégation, le docteur Poutine, qui doit être quelque part. S'il m'écoute, il doit être avec nous. Ok, on me signale qu'il s'est déplacé. Sinon, nous allons juste dire à la famille que l'André, la Dantis Association, c'est une association qui a été créée il n'y a pas longtemps autour de notre parrain, notre papa, le gouverneur de la région de l'Ouest. Du centre, autant pour moi, qui est avec nous d'ailleurs depuis hier, ou d'ailleurs depuis le début de l'organisation 16h17, pour accompagner l'André. On a initié ce projet, un projet humanitaire, pour accompagner les démunis, pour accompagner les nécessiteux. Et je vous assure que ça fonctionnait bien, jusqu'à ce qu'à un moment, on nous annonce que l'André n'est plus. Nous sommes tous ensemble, des amis venus de Paris, de part et d'autre, pour pouvoir accompagner. Comme vous voyez, nous sommes là, le gouverneur et moi. Nous souhaitons vraiment les condoléances à sa famille, particulièrement, et aux enfants. L'André est avec nous, et hier, il a été décidé, parce que notre association est une future fondation. Dieu voulant que les choses marchent, il sera considéré comme un fondé fada de l'association. Son nom ne sera pas effacé. Merci et condoléances. Donc, merci beaucoup.